Salut tout le monde, c'est Devilwar, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors là, je suis avec mon Steamer 104 actuellement. Alors, je suis tombé avec une Sacri 100 et une Sadidet 65, juste à quoi je suppose qu'elle est haut. VS, un Roublard level 70, un Sacri level 80 et un Roublard, non, un Fram level 101. Donc pour l'équilibre, chacun juge. Moi personnellement, je trouve que c'est plutôt équilibré. Après, comme je dis, chacun juge par soi-même. Quelqu'un peut dire que c'est pas équilibré, quelqu'un peut dire que c'est pas équilibré. Mais bon, j'ai pas un stuff abusé. On va dire qu'on descend de 20 niveaux. Enfin, 20 niveaux. Je suis quand même 104, j'ai accès au trophée de L100. Donc là, on va voir en Quizom qu'est-ce que ça tape, combien ça tape. Alors, la Sadidet qui commence toujours avec ses gonflables et... Ah non, je vais dire sa surpuissante, mais elle l'a pas encore. Donc, 4 périls au reste, je sais pas qu'est-ce qu'elle va faire. Moi, j'ai avec mon Sadidet, c'était gonflable puis surpuissante quand j'étais à distance. Ah, folle, très bon choix. Invocation, qui pourrait limite remplacer des... Limite remplacer quoi? Je voulais dire quoi? Limite, ah oui, voilà, limite remplacer des Xelor. On peut dire limite c'est mieux. Alors là, l'inconvénient. Alors je trouve que leur IA est très bien faite. Ils vont en premier retirer des PA au. Ils vont en premier retirer des PA. Je veux dire quoi. Ils vont retirer en premier des PA au. Oh, j'arrive pas à parler là au soir. Donc je dis, ils vont principalement retirer des PA aux joueurs et non aux invocations. Même si les invocations, ils peuvent en retirer quand même. Enfin, moi, la part du temps, j'avais y retiré en premier aux joueurs. Alors, 5 PM, 9 PA pour le moment. Alors, très bientôt, je vais changer de stuff. Je suis en train de refarmer d'open. Justement, après ce Coliseum gagnant, j'espère, je vais aller... me faire avec mon Sadida pour vite que je reparle des topes. Allez, même pas besoin de plastron, on commence direct les dopous. Boum, 306. On va quand même pas trop rester dans la ligne de vue. Faudrait pas. Ah, c'est toujours peut-être dur à. Dans 3 levels, vu que être en panneau qui sous à mon level ou plutôt point zobal, c'est la honte. Donc je préfère dire que je change dans 3 levels. Je donnerais bien ma panoplie là en faisant un serre les caractéristiques, mais comme je filme, c'est pour me gâcher Cloly. Après, si je crois que dans la vidéo de juste avant, j'avais la vidéo juste avant ma dernière vidéo sur mon Roublard, j'avais fait. Comment dire, j'avais montré les statistiques. Les statistiques, celui que je peux vous les montrer. Donc j'ai tout mis dans la vitalité, ce qui fait quand même une bonne vitalité. Alors il s'est mis en puissance sylvestre, le Saïda. Sinon là, en ce moment j'ai 130 dommages poussés. Et pour la chance, j'ai mis seulement 100 de base. Alors pourquoi j'ai que 15 en équipement? Bah, tout simplement parce que j'ai aussi pris des items. Je vais ça minerai le collier un peu. J'ai mis près des deux items coolos. Donc cette moins 7 de chance et moins 16 de chance. J'ai ça qui m'en rajoute un peu. 38 de chance. Alors pourquoi j'ai pris ça? Parce que je voulais de la quand même un peu de chance et je ne trouvais aucun item qui en faisait. Si c'est lui là, je le pousse dans ses bombes. Ah, peut-être que non, je pense qu'elle va. Ah. Et ouais, oh punaise, là c'est dommage. Ah bah, quoique c'est pas dommage du tout, l'épée volante. Elle va devenir un obstacle, on va dire.
Roublard. Donc toujours les sacreurs qui ne savent pas faire la différence entre coopération et transposition. Alors là, j'espère avoir des bons jets. C'est bon, ça passe tranquillou. On va quand même passer en mode bouclier pour éviter de prendre trop cher maintenant, vu que le danger c'est le SRAM. Donc le SRAM qui a envie de se faire plaisir à entourer le... la sanidette de piège, piège masse, piège mortel. Ce qu'il aura zépé. Non, ah, piège sur moi. Et bon, enfin, pour une fois, comme je suis pas avec des mecs, la sacrieuse un peu, mais comme je suis pas avec des mecs, ils ont des stuff à 5 millions, ça va, là, ils m'insultent pas trop, que j'étais tombé sur un colis avant, avec un autre Zobal. Oh mon dieu, même ma sacrie ne savait, c'est pas, transpo. Bon, c'est pas grave pour moi. Ah, alors c'est quand même pas mal. Je pense qu'il y a une autre panneau, à moins que elle a bien été boostée. On va essayer de pas le faire sans aller trop loin. Comme j'ai pas beaucoup de PA. On va. Alors le SRAM qui réapparaît, qui je suppose va vouloir en terminer avec sa sadinette pendant que ses alliés se font massacrer. Alors, il y a tué qui a tué la sacrifiée. Alors, il compte quand même, vu qu'il se place en ligne de vue pour. Il a envie de se faire taper, c'est pas possible. Oh, il tape joliment quand même, je me demande s'il a été boosté. Ah ouais, ok, quand même, il a été bien boosté. Ah, il y a toujours assez d'agi, elle a pas fait son châtiment agilité. Quand même, quelque chose de très utile, toujours, mais encore. Et je pense que ça changera jamais. Voilà, il veut vraiment taper sur le sacrieur, je sais pas pourquoi. Se barre et se place bien en forêt. On va éviter qu'il s'en va trop vite, trop loin. Je sais pas si j'aurai assez de PM. Et chut, il manque un PM. Ah bah on va le ramener.
Ah, il s'est pris quoi? Deux pièges de masse. Et plus de pièges sombres, je crois. Oui. Là, faut qu'elle évite de se prendre le piège mortel. Ou la folle. Donc, on va voir si j'ai raison. Si elle, elle enlève en priorité aux ennemis. Plutôt que aux invocations. Ah, peut-être pas. À moins que c'est... sans vouloir dire que... sans vouloir me faire avoir raison. Peut-être comme il n'y a que deux ennemis. Elle... comme c'est obligé qu'elle tape les deux. Et je sais plus c'est quoi le... Détour. Ah, trop tard. Elle faisait des tours, elle était bien pla... il était bien placé là. C'est pas grave. Je me demande pourquoi il continue à faire ce sort. Oulala, la punition. Ah oui, maintenant ça doit être. Ah, il y a 6 PM, c'est bon, casse-pied. Autant le ramener encore. Et laisser la ligne de vue à mon allié. Là, on galère vraiment sur ce colis, mais je pense que je commence à jouer plutôt bien Zobal. Je m'intéresse bien. Seul problème, j'ai pas encore le stuff. Il manque déjà 1 PM. J'adore être en 6 PM. Je pense que dès que j'aurai l'argent, je m'achèterai une panneau, le bâton. Comment ça s'appelle déjà le bâton? Le bâton Bren, non pas le bâton Bren, je dis n'importe quoi, la baguette des lins, voilà. Je dirais que j'aurais moyen en condition comme en... Comment dire, comment en condition comme... je trouve pas mes mots. Ah oui, en condition comme en Kama. En Kama, l'argent. Je me l'achèterai. Et bah, vu que le PA, PMPO... Je pense que c'est... à moins que je prendrai le RS. Ou la RS, je sais pas si on dit ça au féminin ou masculin. Pour être en 12, 11 PA. Je sais pas encore. Je sais que c'est mieux la... la baguette des lins. Même si le PO, à part pour des rares sorts comme Tortuga, c'est inutile pour le Zobal. Mais à voir, je verrai. Ah, il veut vraiment pas, il joue vraiment bien quand même le sacré en face, il se met toujours à des endroits où je peux pas y accéder. Ou plutôt, à des endroits où je peux pas le... Ah non, là, il a mal joué, ou... Je sais pas ce qu'il a fait, s'il a mal joué ou quelque chose comme ça. Boum! Dopou! Allez, là, prochain tour plastron. Faut pas qu'on perde davantage de dommages, de vie. Et si jamais elle n'est pas encore morte, j'irai faire quelque chose pour mon allié Sanida. Sanidette, la petite Sanidette. En fait, on est tombé sur quelle map? Ah oui, celle-là, très courante. Oui, il tape comme moi, mais moi, je traverse la résistance. La Sanidette, je crois qu'elle peut finir le sacré. En tout cas, aider pour être sûr que oui, bon, 15.10, je pense que l'autre arrivera à les faire. Grosse erreur de ne pas avoir tué les folles qui vont le rendre fou. Il y a 11 PO. Pas, je pense que là je vais devenir cinglé. J'ai peut-être mal joué là, je lui ai permis de finir
mon allié fait celui-là. Et en plus là, je sais pas comment je vais faire. 3 PA. D'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, je peux toujours faire ça. Donc, une bouluche. Et ça pour qu'il s'en va pas trop loin. Et au moins ça me booste. Ah, il se place super bien là. À part si par là-bas il s'est passé super bien. On tire après. Ah, dommage. Alors là, elle a bien joué. Merci beaucoup. Yeah, j'aime bien prendre du recul avec quand je fais mes bouluches. Allez, félicite en face. Et c'est fini. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu, que mon The Ball commence à vous plaire. Si jamais vous avez des suggestions de stuff, je suis à l'écoute vu que à mon niveau, vu que j'ai pas l'intention de continuer avec ce stuff jusqu'au level 120, 125, vu que mon but là c'est la Royal Mode, donc à part si vous avez des stuff haut, des stuff qui rajoutent du dopu, n'hésitez pas à me les proposer. Donc on se quitte, je sais pas si on va se quitter. Tiens allez, je vous en fais deux sur la... deux à la suite, allez, je vous en fais deux à la suite. Ça a été rapide, déjà là un peu moins déséquilibré d'après nous, alors là c'est le Zobal que je vous parlais. Donc Caracoif, Cafulgurante, le riche habituel quoi. Et ça, ça me gonfle vraiment de voir autant de riches dans ici. Autant de riches en bas en cohésion bas niveau. Ce qui rend pour les gens, par exemple, on va dire la Sadidette là, encore je sais pas c'est quoi sa caf, sa coiffe. Elle a l'air plutôt bien stuff quand même. Qu'est-ce que je vais faire là? Je pense qu'on va le perdre celui-là. Aïe, aïe, là c'est, ça va être tendu celui-là. Les caflip, là il n'a pas joué dommage poussé. Grosse erreur. Ah, mon cap est coma. Vu que déjà il y a une DD. Je vais parler comme ça, de pauvre, puisque excusez-moi, mais DD comme ça, avec non croisé, à part certaines cas exceptionnels, genre les émeraudes qui sont plutôt bien, ou encore les prunes, que là, ça, à part si que les prunes sont pas mal non plus, je vous les conseille, je vous ai des conseils, moi, pour moi, c'est des dés de pauvre. Je dis ça comme ça, mais ça peut être laissant pour ceux qui en ont, mais je m'excuse. Mais tout le monde est comme ça au début. Moi aussi, j'avais des... Ma première DD, c'était une ébène pour mon cra. Oui, c'est sûr que moi aussi, je me faisais insulter quand... Quoique non, en fait, vu qu'il n'y avait pas encore le Coliseum, c'était il y a 3 ans. Il n'y avait pas encore le Coliseum quand j'avais ma DD. À mes souvenirs, je l'avais EP moi-même, parce que je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi, mais je l'avais EP moi-même. Donc, je m'égare un sujet.
Je ne sais même plus c'était quoi. Ça va, Irox, pas trop. On va essayer de faire. Non, je pense pas pouvoir. On booste mon allié. Et surtout, on ne donne pas de. De raison de faire des boliches aux obales. Ah, j'ai complètement perdu le sujet, je sais plus quoi de. Du coup. Je disais. Je ne sais plus du tout de quoi on parlait. Enfin, je parlais. Je me souviens que c'était sur les DD, mais. Les DD comme ça. Les DD comme ça. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Non, en fait, si les DD sont bien. Quand vous n'avez pas l'argent pour en acheter les croisés, par exemple, un écapé comme ça, quoi, quand. À vérifier. Peut-être qu'une prune, donc c'est celle comme ça pour la force, une prune plus PO, celle qui fait plus PO, je sais plus comment elle s'appelle. Après, si moi je me souviens, je sais plus si c'était avec quel perso, j'avais pris une DD plus 2 PO. Alors déjà parce que ça ne coûtait pas très cher, j'avais pas envie de débourser beaucoup pour ce personnage. Il y a pas longtemps justement en plus et surtout ça me donnait l'avantage. Ah oui, c'était avec ma Stramette, elle me donnait 2 PO cette truc et j'étais vraiment en rate de PO, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah, peut-être qu'elle va apprendre à jouer, on me cope quelqu'un et bien jouer. À moins qu'ils ont envie de prendre cher, il faut surtout pas qu'ils se mettent derrière un mur, vu que ce Zobal il rox un peu moins que moi, mais il y a autant de vie. Non, pas autant, il n'y a pas autant de vie, mais il y a un peu moins. Tu comprends le jeu de il rox un peu moins que moi, mais il y a quand même plus de vie. Jean il dit ouais, j'ai plus de vie que toi, c'est bien mec, mais je rox beaucoup plus que toi. Boliche. Et là je crois que c'est ouais 4 PV je vais enlever. Ah là ça rame un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Voilà. Alors innocent c'est qui? Ah zut, il ne te sera mettre. Je sais pas comment ça marche la perte de DPM, je crois que c'est quand on heurte à un obstacle. Oh là là, il va me faire mal le Zobal. Hein, je suis lag pour le coup. Ah, il est moins 337, moins 314. Son allié prend du sang. Il a pris combien son allié? Maguzar, moi, alors son allié a pris du 103 première fois, du 113 aussi. Il y a pour lui en fait, je trouve que pour lui il aime jouer solo. La preuve, on était avec un Osamodas et eux deux jouaient de leur côté, ce qui faisait que moi qui voulais jouer collectif, j'ai l'habitude à haut niveau de pas jouer collectif, c'est étrange je trouve. Mais surtout que donc je disais, à haut niveau, c'est bizarre de ne pas jouer collectif. C'est souvent ce qui vous fera perdre l'équilibre si jamais vous faites ça. Concentration de chakra. Ah oui, je me souviens ce que ça fait maintenant. Pas moins 369. Pas moins 317.
On se passe en masse de classe parce que prochain tour, je fais mon plastron. J'ai oublié comment ça s'appelait. J'espère que la sedette va pouvoir finir. Ah, et en plus, il n'y a pas encore les trucs pour. Il n'y a pas encore le truc pour. Le temps de lui enlever le fait que si. À cause de ça, j'ai encore perdu le fil de ce que je voulais raconter. Allez, je crois que les caplips, oui, dans le tour, ils crèvent. Bah, on a dit qu'on cherche, je sais pas comment faire là. Ah, il veut s'éloigner, le Zoban, il prend des chairs. Chair. Je sais pas là comment faire, je peux pas tuer le chaton comme ça avec une libération. J'ai besoin d'aller faire mon plastron, si vous voyez. Peut-être je vais faire. Oula, bah ton carnivore, si je me trompe pas, très mauvais choix de Rox. Alors moi j'en ai besoin, faut que je me le fasse. Est-ce que j'ai la portée? Oui, la portée. Un petit soin du côté enfin un petit soin un petit plastron du côté. Ah, j'ai mal joué, je me suis mis juste, je lui ai donné la ligne de vue. Je vais repasser en cohésion, je pense. Non, je vais rester comme ça pour le moment. Non, 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 il faut qu'il tape encore une fois. Aïe, fallait qu'il tape encore une fois le chaton. Non, le. Merde, il est mort. Ah, par contre, il donne. Ah, j'avais pas vu le SRAM, la SRAM plutôt. Je vais m'occuper du Zobal. Je sais pas où me placer. Ouais, là, il me fera pas trop mal.
J'espère que notre Sanida va réussir à gérer contre le Zobal. C'est bon, au moins elle a fini elle a fini au moins les deux derniers. Là il est obligé d'utiliser un certain nombre de paires, 4 PA je pense minimum pour le finir. Oui, il est au moins il est obligé d'utiliser 4 PA. What? J'ai pas trop. Ah oui, ah il veut s'enfuir. Là, je crois qu'il a utilisé 3 PA dans le vide, en fait. Et en plus, alors, ce noob n'a toujours pas compris que Fougue, ça ne dure que le tour où vous l'utilisez. Ah, t'as déjà mieux à ce sort, à Sacrifice Pouperesque. Que regardez, Fougue, pendant un tour seulement. C'est-à-dire que vous l'utilisez, pendant le tour où vous l'avez activé, vous serez boosté. Quand vous passerez votre tour, il passera noir, c'est-à-dire que quand ce sera votre tour de jouer, il disparaîtra. Donc c'est en fer en début de tour, pas en fin de tour. Faut qu'elle invoque un maximum pour lui faire chier un max. Faut qu'elle invoque un peu. Je passe en cuisine, ce sera plus facile pour lui parler. Là, je pense qu'elle va taper. Alors, je sais pas s'il se moque de nous ou si c'est vraiment quelqu'un, comme vous direz, quelqu'un qui a qui s'est acheté les Ogrings, qui s'est acheté un putain de stuff, mais qui ne sait ni jouer sa classe ni il connaît les autres. J'ai l'impression que c'est ça. J'attendrai qu'il va gagner, mais tout est incertain. C'est pas, je sais pas si on va gagner ou si on va perdre. Donc, deux cases, une case. Bonne dizaine. 6 cases, ça devrait suffire. Bon, en Zobal, compte plutôt comme case comme ça et comme ça. Que là, vu que c'est un peu difficile d'accès. Une comparaison qu'on peut avoir vraiment aux ceux qui XP Frigos jusqu'au level ce qu'il veut et qu'après il stuff son personnage comme un pro et après qui a envie de se faire du Coliseum comme lui on va dire comme Spear Hills qui XP comme ça, il ne sait pas jouer sa classe donc Zobal ça pourrait aller encore mais il ne connaît pas les autres classes non plus donc là pour l'arme ça lui a porté préjudice. Tandis que on dirait sans Rika, elle a un stuff de quelqu'un qui a XP tout seul sa classe. Qui fait qu'elle sait bien jouer, etc. 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 Ah tiens, c'est un. Je me souvenais plus que c'était aussi rapide. Là, ça sert à rien d'essayer de transpercer ses boucliers. 300, je pense pas qu'elle qu'elle tapera assez fort. Autant qu'elle attend deux tours, ça sera plus utile. Par
contre là je vous fais pas trois colis, trois colis d'affilée, déjà deux je sais pas, mais ça va encore. Deux on peut dire ça va encore, trois sera un peu beaucoup. Je peux lui dire comment jouer, j'ai l'impression qu'elle sait jouer sa classe, c'est bien. Je vais rester avec eux. Je filmerai peut-être d'autres colis avec eux. Et vous les mettrez aussi sur ma chaîne. Ah là, il a compris qu'il va perdre. Je sais pas si elle a assez de PM pour le finir. Non, elle a pas de PM. Pas grave, pas grave, pas grave. Enfin, j'espère. Ils vont quand même pas jouer au chat et à la souris, vu que là, c'est nous qui allons gagner. 200 points de vie, 15 points de vie. Pas exagérer, là il a perdu, il sait. Ah bah là il est mort. Alors quoique, non, il a encore bien joué, il a pas assez de PM pour lui faire une ça. Comment c'est casse-pied. Elle a pas besoin de reprendre sa vie. Ah, en plus, comme c'est une. Ça dit haut, elle peut jouer avec les arbres. J'espère que. Je sais pas si elle a augmenté. Ouais, ça va les augmenter plutôt bien niveau 4. 412 points de vie. Ouais, 412 points de vie, c'est bien. C'est correct. Ah, il fait vraiment traîner les choses. Casse-pied, lui. Ah, il faut vraiment pas s'avouer vaincu. Il sait qu'il a perdu, mais il faut vraiment pas s'avouer vaincu. Moi, une conscience. Pourquoi il dit ça? Par contre là je trouve qu'elle a mal joué. Oui, elle a mal joué. Kongapua, ça doit être le quelqu'un d'en face, bah, en même temps c'est un peu logique, mais je sais pas qui, peut-être les cas. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, ce deuxième Coliseum de 20 minutes en 16 tours à cause du Zobal qui a ramangé tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. N'hésitez pas à poster un commentaire, et non, je vais accepter, mais je vais pas vous filmer. Et j'espère que, abonnez-vous à ma chaîne, j'ai déjà fini. À plus pour de nouvelles vidéos.